Salut, c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question de comment gérer le ménage, comment nettoyer son appartement Airbnb. Alors, soit vous directement, ou bien votre personnel de nettoyage, eh bien, quel conseil vous devez lui donner? Peut-être même que vous pouvez lui faire voir cette vidéo. C'est comment gérer donc le nettoyage de son appartement pour qu'il corresponde aux standards qu'on a besoin aujourd'hui quand on fait de la location courte durée ou de la location sur Airbnb. Comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton s'abonner tout en bas, tu regardes, tu cliques, tu actives la petite clochette et comme ça tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, de location courte durée, de conciergerie d'appartement, de sous-location d'appartement et on parle d'entrepreneuriat de manière générale. Et d'ailleurs, juste avant de commencer, je vais t'offrir une formation totalement gratuite d'une heure sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. Tu découvriras ça dans la partie commentaires. Donc du coup, aujourd'hui, c'est comment on nettoie son appartement. Alors, ça peut te paraître bizarre, tu vas peut-être me dire « bah oui, je sais nettoyer mon appartement ». Non. Il y a beaucoup de choses qui sont oubliées, beaucoup de choses qui ne sont pas faites et qui font vraiment toute la différence par rapport à les standards qu'on attend donc d'Airbnb. D'ailleurs, je te mettrai dans la partie description eh bien, une petite checklist justement de tout ce que tu dois absolument vérifier dans ton appartement quand tu fais ton ménage nettoyage. Donc, je te mettrai ça dans la partie description, tu n'hésiteras pas à récupérer cette petite checklist. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand on est dans un appartement, la première chose qu'on doit faire, c'est changer le linge. Donc moi, ce que je préconise, c'est que quand vous êtes dans votre appartement, c'est tout de suite, on va chercher le linge, on retire les draps, on fait le point sur les serviettes, est-ce qu'il ne manque pas des serviettes, parce que des fois les serviettes sont éparpillées un petit peu partout, donc on vérifie ça, pour vérifier qu'éventuellement il n'en manquerait pas, on ramène tout ça éventuellement dans l'entrée de l'appartement, ok, et on commence le ménage, d'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas déjà redresser les lits, etc. Alors que le ménage n'a toujours pas commencé. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir effectivement de la poussière ou des cheveux ou des poils, etc. qui vont tomber. Et donc du coup, ça fait que malheureusement, les draps, même s'ils étaient propres initialement, eh bien, ils se retrouvent ou finalement, ils ne sont plus vraiment très très propres. Donc du coup, eh bien, vous devez absolument démarrer par cette première étape de vérifier, donc, de retirer le linge pour lancer le nettoyage. Mais avant, la première chose que vous devez faire, c'est tout de suite vérifier que l'appartement n'a pas été endommagé, qu'il ne manque rien dans l'appartement. Donc pour ça, tout simplement, c'est vérifier dans la cuisine qu'il n'y a pas eu des ustensiles qui ont été abîmés, cassés, ça se voit normalement très facilement, qu'il n'y a pas de tâches sur le canapé, qu'il n'y a pas de tâches sur les différents, sur les différentes chaises, qu'il n'y a pas de tâches dans les lits, qu'il n'y a pas de tâches sur les tapis. Parce que ça, les tâches, ça arrive très fréquemment, donc on vérifie tout ça. On vérifie que le canapé, il n'a pas été endommagé, parce que ça arrive malheureusement un peu trop fréquemment. Ça, c'est la première chose que vous devez vérifier, qu'il ne manque rien, que rien n'a été abîmé. On vérifie aussi la télévision. Pourquoi? Parce que la télévision, c'est des écrans plats. Et c'est pas parce que la télé paraît comme ça, au premier abord, en bon état, qu'elle fonctionne. Donc on l'allume, on vérifie qu'il n'y a pas de... Je vous dis ça par expérience, puisque ça nous est déjà arrivé, que effectivement la télé paraissait nickel, et quand on a allumé, en fait, il y avait des grosses bandes, elle était cassée, elle avait dû être tombée, etc. Donc ça, vous devez le vérifier tout de suite, parce que si c'était le cas, eh bien, on déclenche la caution ou on fait tout simplement une réclamation auprès d'Airbnb. Donc ça, vous vérifiez ça. Vous vérifiez aussi que l'Internet fonctionne toujours bien, parce que ça peut arriver, que la télé fonctionne toujours bien, que l'on accède toujours bien aux chaînes, que tout ça, c'est fonctionnel. D'accord ? Ensuite, après, on passe sur la partie vraiment nettoyage. Donc une fois qu'on a tout vérifié, qu'on a retiré les draps de lit, c'est là où on attaque le nettoyage. Donc là, il n'y a pas de sens particulier. Moi, je serais plutôt à vous dire, commencez par les chambres. Donc on commence par les chambres, donc on va y venir, justement, on va y passer. Donc dans les chambres, eh bien, tout simplement, on va faire très simple, c'est donc les draps sont retirés, eh bien, c'est on passe l'aspirateur, d'accord? On passe l'aspirateur absolument partout au sol, sur le tapis, etc., que le tapis soit, voilà. On fait ensuite les poussières, donc les poussières sur tous les meubles, on fait toutes les poussières, on fait les poussières aussi sur les cadres, le dessus des cadres. Voilà, et on vérifie aussi, eh bien, que toutes les lampes fonctionnent. Donc on les teste toutes, une à une,
D'accord, ça fonctionne bien, on teste toutes les petites lampes, etc. pour vérifier que tout ça c'est fonctionnel, que la lampe principale aussi est fonctionnelle, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, que la poussière est faite, que l'aspirateur est passé, c'est là où on peut aller chercher ses draps propres et on refait le lit. Donc comment on refait le lit? Vous voyez, c'est un exemple de lit qui a été fait. En fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est bien mettre les draps à l'intérieur pour faire que le lit soit bien tiré. Et le gros avantage de ça, c'est que si vous n'avez pas le temps de repasser, eh bien en fait, pour le client, on a vraiment l'impression que le lit a été repassé parce que c'est bien tiré. D'accord? Toujours avoir pareil son lot de oreillers par client et enfin deux oreillers et le petit coussin supplémentaire. Et nous, on met tout le temps deux serviettes de bain par lit qui sont présentées comme ça. D'accord? Donc du coup, la chambre est terminée, on remet les draps, tout est propre. Voilà ce que vous devez absolument faire. Et là, c'est OK. Limite, on ferme la porte, comme ça, du coup, on sait que cette pièce-là est finie. On passe aux autres chambres. Et après, on a le choix, soit on fait la salle de bain, soit on termine par la cuisine. Donc moi, je serais tenté de vous dire, on va sur la salle de bain. Donc salle de bain, toilette. Donc salle de bain, pareil, on doit bien faire les poussières absolument partout, donc bien les poussières ici, les poussières sur tous les meubles. Ce qui est très important, c'est qu'il ne reste jamais d'eau, donc de calcaire, des traces d'eau sur tout ce qui est robinetterie. Donc comment? Eh bien, on utilise des produits dégraissants ou on utilise du vinaigre blanc ou de l'eau de Javel. On remet un petit coup derrière d'eau. Et derrière, on renchaîne par un petit coup de chiffon par-dessus pour enlever toutes les traces d'eau, pour que ça soit tout le temps nickel. Pareil, dans la salle de bain, il ne doit pas traîner de cheveux, de poils, il ne doit rien traîner. C'est-à-dire que quand on regarde, ça doit être absolument nickel, aussi bien pour le lavabo que pour la douche. D'accord? C'est super important. Et que la robinetterie, il n'y ait pas de traces de calcaire. Pareil ici, sur les vitreries, il ne doit pas y avoir de traces de calcaire. C'est super important. Donc pareil, on utilise du vinaigre. Si vraiment c'est trop attaqué, on y va au vinaigre. Et on y va, et ça s'enlève. Une petite technique que je peux vous donner aussi, c'est tout ce qui est vitrerie, vous pouvez utiliser du papier journal avec du produit. Ça marche très très bien. Pareil, coup d'aspirateur, on passe un coup de serpillière sur le sol pour que tout soit vraiment nickel. Et pourquoi pas, on achète des petits produits comme ça, diffuseurs d'encens. Ça sent bon, on sent bien, c'est frais, c'est parfait. Les toilettes, c'est exactement la même chose. C'est tout pareil pour les toilettes. Donc on nettoie bien la cuvette sur le dessus, à l'intérieur, la cuvette intermédiaire. Et à l'intérieur, on y va franchement, on nettoie bien, on décure bien, il faut que ça sente bon et que ça soit nickel, d'accord? Ensuite, on termine par la cuisine. Donc bah, la cuisine, c'est la même chose, hein, c'est on fait à fond la robinetterie pour que ça soit vraiment propre. Il n'y a pas de traces d'eau qui traînent, on a bien passé un coup de chiffon pour enlever toutes les traces d'eau. On vérifie que tous les produits soient bien présents, produits pour les mains, produits pour laver la vaisselle, une éponge neuve si possible. Voilà, on vérifie qu'il y a bien des sacs poubelles propres dans les poubelles. On en laisse éventuellement quelques-uns pour les voyageurs. D'accord? On laisse des petits chiffons pour ses clients. On rajoute des petits produits pour tout ce qui est poivre, sel, huile pour pouvoir pour que les voyageurs puissent cuisiner. Le four, on vérifie que le four n'a pas été utilisé. On le nettoie bien intérieur comme extérieur. Idem pour le micro-ondes, intérieur comme extérieur. Autre chose que vous devez savoir, c'est que tous les endroits où les mains ont été placées, donc ici, ici, ok, il y a forcément des traces de doigts. Donc, il faut bien nettoyer. D'accord? Pareil pour aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est les poignées de porte. Hein, les poignées de porte, on met un dégraissant là-dessus pour bien nettoyer tout ça. C'est super important. Et bien entendu, on nettoie le réfrigérateur. Hein. On y va franchement, il faut qu'il reste rien, hein. Même s'il reste une bouteille de lait ou je ne sais quoi, on l'enlève, ça n'a rien à faire là. Pareil pour le congélo, il ne doit rien rester et faire attention qu'il n'y a pas trop de glace dedans et que du coup, ça vient endommager le congélateur. Ok. Pareil, machine à café, si vous avez des machines à café à dosette, vous vérifiez qu'il n'y a pas de dosette qui traîne. On vérifie, pas de dosette. S'il y a de l'eau là-dedans, c'est pareil, on l'enlève.
D'accord. Et si on veut bien nettoyer, c'est pareil, on peut mettre aussi un petit peu de vinaigre dedans qu'on fait bouillir et du coup ça nettoie bien l'intérieur. Pareil, il y aura sûrement des traces, parce que c'est de l'inox, on enlève toutes les traces de doigts avec un petit dégraissant. On recharge tout ce qui est thé, café, tout ça c'est super important. On met aussi du sucre, nous c'est ici. Et pareil, ici, on vérifie qu'il ne manque rien. D'accord ? Et on vérifie parce que parfois, les voyageurs remettent tout ça, mais finalement, ils ont pas, c'est pas nettoyé. C'est-à-dire que si on vérifie bien, c'est que c'est crade. Donc, on vérifie que c'est bien fait. Et je pense notamment aux assiettes et aux verres, puisque comme ça, visuellement, on se dit c'est OK, le verre est propre, mais finalement, si on regarde bien, le verre, il est sale. Et ça, ça arrive trop souvent. Pareil, on fait bien la poussière dans les meubles. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on a terminé sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. C'est le moment justement de lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous ai mis la petite checklist justement de tout ce qu'il faut absolument vérifier dans votre appartement quand vous faites le ménage. N'hésitez pas à la partager aussi à votre personnel nettoyage, ça peut très certainement les aider. On a terminé, n'hésitez pas aussi à commenter si j'ai pu oublier des choses importantes justement par rapport au ménage que vous faites et qu'il faut absolument faire et que j'aurais peut-être pas forcément pensé à mettre ici. Ah si, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est bien vérifier sous les lits qu'il n'y a pas des mitons ou qu'il n'y a pas des choses qui traînent sous les lits quand vous passez l'aspirateur. Super important, bien faire sous les lits, ça c'est quelque chose qui est primordial. Voilà, on a terminé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à rajouter des choses que j'aurais pu éventuellement oublier. Le gros pouce bleu, et puis comme vous le savez, vouloir changer de vie c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.